شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم. De nos jours, nous trouvons qu'Ilémon fin envahi par une vague de matérialisme. Dimon pégalub des richesses, de la technologie, des bâtiments, au dépend ban valeur, au dépend ban principe et ban l'éthique, et également au dépend de la relation humaine lui-même. À nous profiter Ramadan, nous rétablir ça l'équilibre qui nous bien besoin entre le spirituel et le matériel. Par exemple, à travers un namaz de qualité 5 fois par jour, par exemple à travers lecture Coran, à travers doa, à travers hifz et ben plusieurs autres dhikrullah encore, afin que nous rétablir ça l'équilibre qui est très important là. Et en parlant de la relation humaine, les bons connaît qui nous une diversité des idées, de pensées parmi ban humains. Et également, dans l'Oumma, c'est le cas. Mais il est très important qui sa ban diversité-là, pas faire qui nous diviser, pas faire qui n'a ban conflit entre nous et qui termine dans l'ennemité. Parce qu'Allah Ta'ala fait nous connaît dans Sourah 49, verset 10. Innama al-mu'minuna ikhwa. Alors, il est très important qui nous garde nous l'unité malgré nos diversités. Surtout, les bons connaît qui 100% d'immun, zame pour 100% d'accord, le 100% des sujets. Et surtout qui nous parate ban priorité. Et en parlant des priorités, nous constater qui l'umma sur investissement et efforts dans la recherche de la connaissance, les zéro, sinon presque zéro. Est-ce qu'il nous connaît qui, dans un domaine comme la médecine, tel que la psychiatrie, c'était un musulman qui était un pionnier là-dedans, en la personne de Ibn Sina, et également dans le monde mathématique, dans l'algèbre, également dans le physique, etc., et divers autres domaines de la science. Donc, il est très important qui nous réoriente nous vers nos bonnes priorités. Il est très important alors qui nous garde nous unis afin qui nous continue développe nous-mêmes personnellement, collectivement et le plan matériel et le plan spirituel. Nous faire doua alors qui Allah Ta'ala guide nous, Allah Ta'ala met nous sur le droit chemin et surtout là pendant Ramadan donc qui nous gagne le bon inspiration qui besoin afin qui nous concentre nous bonnes vraies priorités. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.